Salut mon Nico, comment il va? Ça va, impeccable. Impeccable, t'es chaud? On est là, on est prêt. On est prêt. Depuis tout à l'heure, il y a des bruits là dans la forêt. C'est particulier. Bon, alors de nuit, l'ambiance est tout autre, vraiment. Bon, on va s'aventurer à l'intérieur, on va voir un petit peu ce que ça donne. Il y a tout, il y a de quoi boire café. Ouais. Tu penses boire un café? Ouais, je connais pas du tout du coup. Ouais. Bah si. Parce qu'en fait avant, avec Nico, on travaillait dans le funéraire. Alors moi je suis jamais venu ici, mais Nicolas. Moi, je suis venu chercher des corps pas mal. Ouais. Donc déjà il connaît un petit peu l'extérieur peut-être. Un petit peu l'intérieur. Je sais pas si tu te souviens, je sais pas. Ouais, là, je connais. Tu te souviens? En espérant qu'on nous voit pas trop, tu sais, de l'extérieur, c'est surtout ça. Donc là, je pense que c'est l'entrée. Ce qui est encore, tu vois, la fête de la musique. Je sais pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'apparemment, ça aurait fermé depuis un an à peu près. Un an, peut-être un peu moins même. Mais ça aurait fait un an. Je sais pas, pour bien qu'on nous voit. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On visite déjà un petit peu? Ça tente? Peut-être là l'accueil, hein. Ouais. Ah, tu passais par là-bas? Je garais le corbi devant, là. Ouais. Je prenais l'ascenseur, je vais chercher les corps en haut. Ouais, ouais, tu passais par l'ascenseur, du coup? Non. Ça te fait pas bizarre de revenir... Non, ça fait bizarre. Ouais, attends, fais gaffe, juste essaie de le mettre sur la tête pour le micro. C'est bizarre, il y avait tous les gens qui étaient assis là-bas. Là. Ben là, ouais. Parce que bon, c'est quand même bien, le bazar intérieur. Ouais, alors si tu sens un peu des trucs, c'est. c'est pas paranormal. Hein. Ouais, je sais. Ouais. Un petit peu avant d'arriver, petit problème d'estomac. Est-ce que vous en foutez? Je pense que oui, un petit peu. Donc du coup, j'avais fait un petit plan de coupe cet après-midi ici. Il y a plein de... Alors ça, je sais pas si c'est... Non, je pense que c'est juste des photos d'illustration, je pense. De quoi? 937. Ah oui, oui, il peut être décédé ici. Ah oui, comment tu dis? 1937. D'accord. Raoul. Ça s'appelle la synchronisation pour le montage. Bon, les amis, on a été coupé. Alors juste quand on parlait du monsieur, la caméra a coupé. Je ne sais pas pourquoi du tout. Donc du coup, on allait monter dans les étages, voir un petit peu ce qu'il y avait. Voir un petit peu les ressentis qu'on pouvait avoir. Tu te sens comment, toi, Nick, pour l'instant? Je sais pas si c'est stress, machin, ou si c'est parce que j'ai faim, j'en sais rien. Je me sens... Oui, il n'a pas mangé. Je sais pas. Pas trop à l'aise. Pas à l'aise? C'est quoi, pas à l'aise? C'est... Ouais, je me sens un peu étouffé, j'ai du mal à respirer. Étouffé? Oh, tu crois que c'est parce que tu n'as pas mangé? C'est pas ça. Mmh. Mais je me sens aussi, je sais pas. Ouais. Mmh. Tu te sens mal à l'aise? Ouais. En même temps, quand on voit le décor, compliqué de pas se sentir autrement. Bon, du coup, on allait monter.
Et du coup, il y avait des gens qui étaient dehors, mais je crois qu'ils sont partis. Avec le couloir bien lugubre. Ah, c'est toi, ok. Bon, là, on est au premier. Ça te tente d'aller où en premier? N'importe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser un peu la caméra. Parce que dans les commentaires, vous m'avez souvent dit de prendre une épaulière, mais bon. Faut encore acheter ça. Il y aurait plein de trucs à acheter tout le temps. Le problème, c'est que quand il y a des gens derrière, ça peut fausser un peu les... Alors moi, je me présente, je m'appelle Romain. Et mon collègue à côté s'appelle Nicolas. Salut. Et on venait ici dans une démarche bienveillante. On venait essayer de rentrer en contact avec vous. Alors ça peut paraître bizarre, peut-être, de votre côté. Mais on a envie d'avoir des réponses. J'entends un petit bruit là-bas. Peut-être normal. Parce que je trouve qu'on vous a abandonné un petit peu injustement. Ça fait pas très longtemps qu'il n'y a plus personne, apparemment. Et on aimerait savoir si vous êtes avec nous, s'il y a un esprit, une entité, un fantôme. Quelqu'un qui vit encore ici. Alors, on a des appareils. On a des appareils qui peuvent nous permettre de savoir que vous êtes ici. Par contre, il faut qu'on mette nos téléphones en mode avion. Ça, c'est ma lampe. Ouais. Dans la main, j'ai un appareil avec moi. Ça s'appelle un K2. Ça peut me permettre de savoir que vous êtes ici. Et mon collègue a dans sa main le même appareil, qui a le même fonctionnement. Donc vous pouvez soit vous approcher de notre main, ou soit faire du bruit dans le bâtiment, sur des portes. Oh, tu l'as entendu? J'ai entendu un bruit là. On l'a bien entendu. Ben on va y aller, mais bon. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ce bruit? Refaites un bruit si c'est vous. J'ai encore entendu un bruit, mais... Là, il y a un bruit. Est-ce que vous pouvez refaire un bruit encore? S'il vous plaît. On est là pour vous. Vous venez à côté de ma main. J'ai un petit boîtier qui pourra me dire « Ok, il y a quelqu'un. On peut communiquer. » Est-ce que c'était vous ces bruits? Refaites un bruit, s'il vous plaît. Fort.
Des gens dehors. Je les entends. Je pense que c'est ça qui... Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans ce couloir, par exemple ? Il y a quelqu'un dans cette chambre. Avec nous. Faites un bruit, s'il vous plaît. Roselyne. Dans la chambre de Roselyne. Ouais. Est-ce qu'il y a une Roselyne avec nous ? Toutes les personnes qui sont passées ici ne sont pas forcément décédées, mais ils ont été relogés dans un autre EHPAD, dans une autre ville. J'ai entendu un petit bruit, mais je ne sais pas ce que c'était. Peut-être un insecte ou un oiseau. Ouais, sinon, ce que tu peux faire, c'est te balader un peu, aussi, ouais. Vu que tu as un micro sur toi. Mmh. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous à cet étage ? Est-ce que vous pouvez faire un bruit ? C'est moi qui fais un bruit. C'est vrai que là... On dirait que... Presque on pourrait y habiter encore dans ces chambres-là. Ouais, ouais, elles sont propres. Elles sont propres, hein. Mmh. Ouais, très très propres. Ah. Ouais. Il y a un bon bruit là-bas au fond. Est-ce que vous voulez qu'on se rapproche de vous ? Faites un bruit si vous voulez qu'on se rapproche de vous. On est des gens bienveillants. On a juste envie de converser avec vous. Refaites un bruit, s'il vous plaît. Je sais pas si c'était en haut. Ouais, soit c'était au fond du couloir, soit c'était en haut. Au fond du couloir. Y a quelqu'un avec nous ? Si vous êtes là, faites un bruit. N'ayez pas peur de nous, on est là juste pour communiquer, avoir des mots qui s'enregistrent sur nos appareils. C'est possible. On a des micros, des caméras, on peut vous entendre, on peut avoir vos messages. Vous pouvez venir nous parler sans peur. On est juste là pour vous. On sera les seuls qui seront ici pour vous poser des questions. Alors n'hésitez pas.
On essaie de prendre. Il y a quelqu'un dans cette chambre? Prends la température. C'est moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Faites un bruit. Merde, c'est moi. La porte se referme toute seule. Il faudrait qu'on passe en night shot, ce serait bien. Est-ce que vous pouvez repasser devant moi, s'il vous plaît? J'ai cru vous apercevoir. Repassez devant ma main. Est-ce que vous pouvez repasser devant nous? Passez au milieu du couloir, s'il vous plaît. Vous pouvez faire un bruit, n'importe lequel. Vous pouvez faire bouger un objet, ce que vous voulez. Essayez de renverser quelque chose. Essayez de pousser quelque chose. Venez toucher ma main. Alors, c'était peut-être la lampe. Hein. Si vous voulez qu'on monte encore à l'étage, faites un bruit, s'il vous plaît. Vous venez vous approcher de ma main. On pourra savoir qu'on monte. Vous voulez qu'on descende? J'ai entendu un petit bruit là-bas. Est-ce que ce bruit, c'était vous? Passez-moi. Est-ce que c'était vous, ce bruit, s'il vous plaît? Quand même relativement calme, je trouve. Est-ce que vous êtes dans la chambre qui est en face de moi? Si vous voulez qu'on monte, faites un bruit en haut. Ou approchez-vous de ma main. Qu'on pourrait faire, c'est monter. Ouais. Mais la petite lumière rouge quand même, au cas où. Ouais, impeccable. Alors là, il y a une machine en plein milieu. Ah, putain. Des lumières. Est-ce que ça va être ouvert? Oui. Voilà. Je ne connais pas du tout. Pas mal là. C'est sombre ici, hein? Là, ça fait un peu plus flipper là. Ça, c'était des bons chiens, ça. Est-ce que vous êtes ici à cet étage, messieurs, dames? Contre, j'y vais à l'aveugle, je sais même pas ce qu'il y a là-bas.
ça m'a l'air un peu... Ça m'a l'air un peu cassé, tout ça. T'avais la lampe, non? Ouais, je l'ai, ouais. Ah, tu l'as? Vas-y, Il y a un bon mot ici, là. Merci. Vous pouvez refaire un bruit, s'il vous plaît? Vous voulez que je vienne vers vous? Comment vous vous appelez? Moi, c'est Nicolas. Là, il y a Romain avec moi. C'est pas refaire un bruit? Si. Vous appelez comment? Moi j'ai 38 ans, vous avez quel âge vous? N'ayez pas peur, on est là pour vous, comme je vous ai dit. Refaites un bruit s'il vous plaît. Là, je sens encore un air frais, là. Pas toi? Si. Je sens un peu plus frais que... Si vous voulez qu'on vienne vers vous, faites un bruit, n'importe lequel. Qu'on puisse communiquer avec vous. Bon bruit bien au fond. Merci, merci beaucoup. On arrive alors. Merci énormément en tout cas. Peut-être qu'on arrivera à créer un contact. Et vous verrez que vous n'avez pas à avoir peur de nous. Vous êtes là? J'ai un ventre qui fait des petits bruits, alors si on les entend au micro. Est-ce que vous pouvez refaire un bruit, s'il vous plaît, pour qu'on aille vers vous? Allez-y, on est là pour vous. Il faut faire gaffe que les gens ne voient pas trop de dehors. Ouais. Super. Vas-y, remets un petit coup de lampe. Oh, je pense pas que là, ils vont... Juste pour voir un peu. Un peu de lecture. Jeu de cartes. Ouais. Des cassettes ici. Là. Je vais remettre mon train. Je vais dire, mais... Des cassettes. Hein. Ouais. Si tu veux te faire un... Si tu veux te faire un bon... Si tu veux te faire des bonnes musiques, tu peux. Hein. Ouais. Fais-toi plaisir. C'est quand même vachement grand, hein. Oups. Chose qui était par terre. J'éteins un ou... Ouais, éteins. On va rester en infrarouge. Je vais allumer celle-là. Vous êtes toujours là? J'entendais un bruit, non? Hein? J'entendais un bruit. Ah bon? Tu l'as pas entendu? Non.
Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette chambre? Il y a quelqu'un avec moi dans cette chambre? Ou avec Nicolas? J'ai entendu un petit truc. C'est peut-être dehors. Ils sont malades, les chambres, quand même. Hein. Je sais pas où ça nous amène ici, là. Ça a tapé dans tous les sens. Il y a un bruit là, un bruit là-bas. Un bruit là. Peut-être le vent. Et je suis pas sûr qu'il y ait du vent. Qu'il y ait bien du vent dehors, non? Je sais pas ce que t'en penses. Il n'y a pas de vent ce soir. Est-ce que c'était vous ce. Tous ces petits bruits qu'on a entendus de porte. J'ai un petit accessoire dans ma main qui peut me permettre de savoir que oui. Ah, j'ai 0-1. Oh. 0-1. Ah, ça c'est bon, ça y a quelqu'un là. Vous vous appelez comment? Encore un bruit devant. Merci beaucoup en tout cas. Est-ce que vous pouvez repasser devant ma main? Ça vous est possible? Ah, il y a du froid là. Tu le sens, non? Je le sens pas. Moi, ma main droite, là où j'ai mon truc, là, c'est froid. Ça va? Je sens. Ah, c'est un chien ça. Ah non, plus maintenant. Et étrangement, il y a un chien qui s'agite. Messieurs, dames, est-ce qu'il y a quelqu'un maintenant avec nous? J'ai pu vous entrepercevoir avec mon petit appareil dans la main. Et je vous en remercie beaucoup en tout cas. Est-ce que vous pouvez le refaire? Mince. Est-ce que vous pouvez vous... T'as froid? Oui. Est-ce que vous pouvez repasser devant nous? Repasser devant nos mains, s'il vous plaît. Petit bruit là-bas, oui. Oui, là-bas, oui. Après, ça peut être tout et n'importe quoi. Essayez de nous donner une direction. Je sais pas ce que ça voulait dire, ce petit 0-1 que j'ai eu tout à l'heure. Manifestez-vous, s'il vous plaît. C'est important pour nous. Quand c'est comme ça,
quand c'est terriblement peu communicatif. C'est pas simple dans la soirée de... d'essayer de vouloir poser des questions, d'essayer de... C'est très fatigant, je trouve, tu vois. Il n'y a rien qui fasse monter un peu l'adrénaline ou le fait qu'on se sente un peu plus investi. Alors, on y va quand même, on se donne. Parlez-nous. Rapprochez-vous de nous. Sinon, on peut monter déjà, non ? On monte après au troisième. Ah oui, là c'est mieux. Alors c'était où déjà ? C'était là. Bon, après, hein, de toute façon, s'il se passe pas plus, hein, on va arrêter là, tout simplement. Ça peut arriver, malheureusement, mais... Des moments, des jours, des... Il se passe moins de choses, malheureusement. Alors après, il peut se passer des choses dans le duo, hein, ça va. Et je pense que même ce sera le cas. Ça peut que être le cas dans tous les cas. Mais ça, parce que là on est dans rien. Souvent c'est des choses qu'on peut entendre ou. Enfin qu'on ne peut entendre ou autre. Ah c'est ouais, c'était bien. Ici après le. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous à cet étage ? Et vous n'aurez rien dit de la soirée. Enfin, normalement, parce qu'on n'entend pas tout, mais peut-être que vous nous avez laissé des messages sur nos bandes audio, sur notre caméra, notre micro. Mais venez nous parler, on a un appareil qui est fait exprès. Normalement, c'est ce qu'il est dit. On n'est jamais sûr de rien dans le monde de matériel. Et on aimerait savoir un peu plus sur vous. Faites un bruit dans le bâtiment. Avant qu'on s'en aille, est-ce que c'était vous qui venez de faire ce gros bruit ? Est-ce que vous pouvez venir nous le dire ? Ou refaire un bruit ? Vous pouvez refaire un gros bruit maintenant, tout de suite. Un coup dans une porte. Un coup dans une chaise. Ça, c'est un chien. Bon, mais écoutez, messieurs, dames, on va partir. En tout cas, merci beaucoup énormément pour toute cette soirée. Si vous nous avez parlé un petit peu dans nos micros, si vous vous êtes manifesté à nous. Et on a essayé de faire au mieux pour entrer en contact avec vous et vous montrer que on avait une bonne intention. On y go ? Allez, c'est parti. Allez, on vous laisse tranquille.
On vous laisse chacun, en paix. Chacun rentre chez soi, on rentre chez nous. Surtout, ne nous suivez pas. Ouais. Restez bien ici. Comme disait mon collègue, évidemment, vous restez ici. Ne nous suivez absolument pas, parce qu'on ne le veut pas. On veut que vous restiez ici. Allez, bah bonne soirée à vous. Bonne nuit. Bonne soirée et merci. Et merci beaucoup. Passez une excellente soirée et une excellente éternité. Parce que je pense que c'est ce qu'on a de mieux à dire, pour le coup. Bon, bah, très calme, hein, Nick. Ouais. Tu es calme. Messieurs, dames, j'espère que malgré tout, ça vous aura plu. Même si il s'est pas passé grand chose, mais il peut pas toujours se passer des choses extraordinaires, sinon ça serait vous mentir ou du fake. Pensez à vous abonner, à mettre un j'aime, c'est surtout ça qui fait que ça facilite un petit peu l'algorithme de YouTube et que ça fait connaître un petit peu le travail. Je vous embrasse tous et écoutez, à la prochaine dans un endroit qui j'espère sera un petit peu plus péchu. Et c'est comme ça arrive. Messieurs, dames, bien la bise. Ciao. À la prochaine.